Bonjour, Daniel Graham, herboriste naturopathe de la boutique Santé. Et ici, vous voyez, je suis devant un immense artichaut, hein, donc on le voit ici. Hein. Donc c'est une bouton floral, on va dire comme ça. Donc c'est un légume qui est très riche en vitamine B9, en calcium, magnésium. C'est bien la preuve que dans la nature, il y a toujours du calcium et du magnésium ensemble, pour les gens qui pensent qu'on ne peut pas les absorber ensemble. Donc c'est un légume, c'est l'intérieur qu'on fait à la vapeur, etc. Mais en herboristerie, c'est un légume qui est très bon, pour qui contient de l'inuline pour amener des fibres au niveau du côlon. Donc ça va agir comme prébiotique. Il y a beaucoup de B9 par exemple aussi dedans. Donc voilà, donc c'est un excellent légume qu'on pense qui serait même préventif du cancer du côlon. Donc il faut consommer de l'artichaut. Mais en herboristerie, c'est les feuilles qu'on utilise. Vous voyez les feuilles qui sont ici. Ce sont ces feuilles ici qu'on utilise. Vous voyez ici. C'est ces feuilles-là. Qui vont servir à lutter contre le cholestérol. Hein, donc ça va aller, le cholestérol, ça va agir sur le foie, la vésicule biliaire. Donc ça va aider à éliminer le mauvais cholestérol, ça va agir sur le foie. Et ça réduit l'appétit quand on fait, par exemple, quand on prend des ampoules de feuilles d'artichaut, des gélules d'artichaut, donc ça a tendance à réduire l'appétit. Et ça va aider à éliminer les graisses une fois que le foie travaille bien. Donc voilà, utiliser les feuilles d'artichaut en gélule, en tisane, en teinture mère. C'est un excellent légume à consommer et à utiliser en phytothérapie. Voilà, donc très bonne journée à tout le monde, à une autre vidéo.